Well, the big eight wheeler over down the track means your true loving daddy ain't a coming back. Cause I'm a moving on. I'll soon be gone. Des courses sur 300 mètres disputées en 15 secondes. La conquête de l'Ouest s'est faite avec des quarter horses, les cow-boys en ont fait des chevaux de course, et cette tradition purement américaine perdure dans un circuit parallèle au pur sang. À Los Alamitos en Californie, on trouve ces chevaux qui sont finalement les plus rapides du monde puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 80 km/h. Los Alamitos est le plus grand hippodrome de quarter horse en Amérique qui court pendant toute l'année sans interruption tous les vendredis, samedis et dimanches. Les petites épreuves offrent des allocations totales de 5 000 $ de moyenne seulement, mais les grands prix montent jusqu'à plusieurs millions de dollars. Nous avons notre plus grande course au mois de décembre. C'est le championnat des champions avec 2 millions de dollars de location. C'est la plus belle occasion d'apprécier les meilleurs quarter horses. Cette piste a plus de 50 ans. Il s'est passé plein de grandes choses. De nombreux champions du monde sont venus courir ici. Le docteur Olvetz en est désormais propriétaire. C'est un passionné qui élève lui-même des quarter horses. Il y a des différences considérables dans la préparation de ces quarter horses avec les pur sang, qui sont une race de chevaux à part entière. Les pur sang doivent être entraînés plus dur que les quarter horse, car ils courent sur des plus longues distances. Les quarter horse, vous n'avez pas besoin de les affûter autant le matin. Le quarter horse s'améliore principalement sur des travaux très courts. Les quarter horse sont élevés partout, en Utah, en Californie, dans l'État de Washington, dans le Texas, qui est le principal lieu d'élevage, mais aussi en Oklahoma, qui prend de l'importance, car il y a de l'argent grâce aux casinos sur les hippodromes, les racinos. Le New Mexico a des fonds également pour ses derniers. Mais finalement, il y a des élevages partout et même dans le Kentucky. Les frais d'élevage pour les quarter horses sont moins élevés que pour les pur sang. C'est lié au prix de sale. Pour un pur sang, aller au meilleur étalon coûte plus de 100 000 ou 200 000 dollars. Tandis que les top étalons quarter horses comme Paradis, Coronet Cocktail, First Town Dash, Mr. Jasperi coûtent seulement entre 30 et 40 000 dollars. Au niveau des tactiques de course, difficile d'en imaginer. Les jockeys ont en fait un rôle très simplifié. Les quarter horses, pour moi, c'est plus amusant que les pur sang, qui n'ont pas autant de vitesse naturelle. Avec les quarter, il n'y a pas de tournant. Tu vas simplement tout droit. Les boîtes s'ouvrent et il n'y a plus grand-chose à contrôler. Et d'ailleurs, ils sont plus faciles à manier en général que les pur sang, où il y a trop de tournants. Moi, je préfère les quarter horses. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas obligé de partir en tête. Même si on sort plus lentement des stalles, on a le temps de revenir sur les autres. Le secret pour gagner des courses, partir le plus vite. Et si vous avez un bon cheval, c'est fait. Circuit plus abordable financièrement que celui des riches pur sang, le quarter horse est une niche pour futurs grands entraîneurs classiques comme les flamboyants Wayne Lucas ou autres, Bob Baffert.